On a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de privacy ces temps-ci. Et vous pouvez être soulagé, ce talk ne parlera pas de GDPR et ne parlera pas non plus de Cambridge Analytica. Je pense que vous avez assez entendu parler comme ça. J'ai tenu à faire ce talk à trois parce que j'avais du mal à choisir entre les trois speakers d'aujourd'hui. Je me suis dit, je vais mettre les trois sur scène, ça sera vachement plus simple. Et je suis particulièrement honoré qu'ils aient accepté mon idée un peu dingue de faire une table ronde sur la privacy by design. Ils vous en parleront beaucoup mieux que moi, donc je ne vais pas allonger les choses. Je vous demande d'applaudir Geoffrey Dorn, Valère Fédronique et Pierre-Yves Thébault. Et je vous rappelle pour les questions, app.wizmd.com/lpc0. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être avec vous et avec vous, messieurs. Donc moi, je m'appelle Geoffrey Dorn et on va parler de Privacy by Design. Et donc, Pierre-Yves Thébault, Valère Fédronique, Fédronici, on pourrait presque dire. Mais avant de parler de Privacy by Design, je voulais savoir dans la salle, s'il y a des gens qui n'ont rien à cacher. Est-ce qu'il y en a qui n'ont vraiment rien à cacher? Ou est-ce que tout le monde a un truc à cacher? Ouais. Ok, tout le monde a des trucs à cacher. Ok, moi aussi, hein, vous en faites pas. On parlera pas des choses qui gênent un peu. Privacy by design. Je sais pas si ça marche, ouais, voilà. Sur la question, parfois, vous entendez des gens qui vous disent, ouais, moi, j'ai rien à cacher. La vie privée, ça m'est égal. Edward Snowden, il a un bel argument qui est que si vous dites que vous n'avez rien à cacher et que vous vous moquez de la vie privée, c'est un petit peu comme si vous vous moquiez de la liberté d'expression et que vous n'avez rien, parce que vous n'avez rien à dire. Ce parallèle-là, je le trouve assez beau et c'est un argument, je pense, qu'il faut aller mettre dans la tête des gens aussi. Et c'est pour ça que je voulais vous le partager. Vous le connaissiez peut-être déjà sûrement. Je pense que vous le connaissiez déjà également. Évidemment, quand on parle de privacy by design, le point de départ, c'est beaucoup l'informatique, c'est le numérique. Et ça, c'est l'article 1 de la loi Informatique et Liberté. Je voulais vous le remettre parce qu'il est important, c'est un texte fondateur aussi, sur le fait que l'informatique doit être au service, évidemment, des citoyens, qu'elle ne doit pas porter atteinte ni à l'identité humaine, l'identité, justement, on va en reparler, ni aux droits de l'homme, évidemment, ni à la vie privée et ni aux libertés individuelles. Et la vie privée, le mot est lâché. Donc évidemment, quand on parle de privacy by design, on va parler d'informatique, on va parler peut-être de code, de numérique, tout ça. Et puis on va aussi parler d'humains, d'utilisateurs, de gens, de personnes qui utilisent des choses. Et on va parler donc de données, des données à caractère personnel. Alors ça, c'est une image de la CNIL qui dit qu'une donnée à caractère personnel, c'est une information, au sens très large, qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. J'allais dire un utilisateur, une personne. Et donc, évidemment, mon ADN peut me permettre d'être identifié, mais il y a des années, on ne pouvait pas. Mon IP peut me permettre d'identifier au moins ma position, mon ordinateur, etc. Mais demain, est-ce qu'il y a d'autres, moi, c'est un truc que j'aimerais qu'on aborde ensuite, est-ce qu'il y a d'autres données qui vont rentrer dans ces données à caractère personnel parce qu'elles vont nous permettre d'être identifiés? Je pense typiquement à quand vous tapez sur un clavier, maintenant, je crois qu'il y a des algos, hein, vous m'interrompez si je dis des bêtises, mais qui permettent d'identifier qui vous êtes, en disant, tiens, lui, il tape comme ça, on avait identifié sa frappe, c'est la même personne. Donc on peut aussi, tout à coup, découvrir qu'il y a une nouvelle façon de nous identifier. Et puis, bon, ça, c'est juste l'article 29 aussi de la data protection, c'est tout simplement de rappeler que c'est un droit fondamental. Et ça, quand on est dans des entreprises, quand on est indépendant, quand on code, quand on fait du design, quand on est entrepreneur, peu importe, le fait juste de rappeler que c'est un droit fondamental, que tout le monde a le droit à la protection des données à caractère personnel, ben, ça fait du bien, et la vraie question après, c'est comment? Et cette vraie question de comment, et ben justement, on va accueillir avec nous deux designers ben que j'apprécie aussi humainement et dans votre travail, dans vos projets, et c'est la question du privacy by design fait et travaillé par des designers. Donc on a Pierrick Thébault, voilà, dont la photo ne s'affiche pas, mais je pense que c'est une question de vie privée, qui est designer chez Quant, mais Pierrick, je sais pas si tu peux te présenter en quelques mots. Oui, bonjour à tous. Ben moi, ça fait 2 ans que je travaille à Quant. Je suis Chief Design Officer et donc depuis 1 an, on a essayé de mettre en place une équipe de designers à Quant pour travailler sur une nouvelle version du moteur de recherche qui devrait être révélée très bientôt, début juillet. Est-ce qu'il y en a qui utilisent Quant dans la salle? J'utilise un peu. DuckDuckGo, tout Merci. ça, Quant, c'est bien. Et puis, on a aussi Valère Fédronique. Donc, il ne m'a pas envoyé de photos, donc j'ai tapé ça dans un moteur de recherche DuckDuckGo. Donc, il y a plein de Good. photos, voilà.
Il y a des photos qui n'ont pas de rapport non plus, mais ce n'est pas grave. Valère, donc fondateur de Facets. Oui, oui, donc je suis, moi je suis un ingénieur, activiste et maintenant entrepreneur. Donc je travaille beaucoup à évangéliser, à expliquer aux gens un peu cette économie de la surveillance et les conséquences que ça a dans la vraie vie. Et on a lancé récemment une application qui s'appelle Facets. C'est une plateforme pour créer des communautés, Privacy by Design. Donc on veut ramener un espace communautaire libéré de cette économie de la surveillance. Ok. Et vu que bah, quand on fait des tables rondes, j'ai souvent été dans le public et souvent je me dis ok, les gens, on les connaît un petit peu, ils présentent leur travail. J'aurais aimé d'abord que vous me parliez chacun, l'un et l'autre, de votre première expérience dans vos souvenirs lointains, je ne sais pas, de votre première expérience à l'action de la vie privée. En ligne ou offline, est-ce que c'est je sais pas, une caméra qui a été installée à côté de chez vous? Est-ce que un jour vous avez reçu un email, vous aviez 17 ans, quelqu'un vous racontait votre vie? Voilà, je sais pas, Valère, si tu veux commencer. Oui, alors c'est un peu difficile à trouver un élément clé, il y en a plein. Il y a sûrement d'abord mon prénom, donc c'est Valère. Et donc au début, Valère dans Google... c'était moi, quoi. Donc tous mes dossiers étaient très vite là. Je dis non, faut faire attention. Et puis après, c'est une fatigue vis-à-vis du mépris pour les concepteurs de services de cette notion de privacy. Alors ça a été sur la PlayStation Network quand j'ai rajouté mon patron. Eh ben il avait tiens Valère a joué jusqu'à telle heure à tel jeu. Il a eu tel trophée. Alors j'ai écrit à Sony. Hein, je leur ai dit merde, comment je peux empêcher ça? Et ils m'ont dit, bah, si c'est votre ami, il a le droit de voir tout ce que vous faites. J'ai dit non. Et ça a pris des années avant qu'ils prennent ça en compte. Quoi. C'est proprement hallucinant. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler dans le monde du mobile. Donc au tout début, donc, les téléphones Java, les Symbian, et on faisait des applications un peu avant qu'Apple les fasse. Et là, on a vu arriver ces API qui me donnaient, moi, développeur, accès à tellement de données sur les gens. C'était juste l'alu. Et donc là, il a commencé à avoir une rébellion et à se dire, bon, ben, nous en plus, on est des ingénieurs, donc on voit à quel point le système est toxique et qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution. Voilà. C'est comme ça qu'on a commencé à se lancer. Ok, et donc, en interne avec un petit groupe d'ingénieurs, tu t'es dit, il y a moyen de faire bouger quelques lignes, on va en parler, on va essayer de créer des outils, des services Il y a deux choses. Il y a déjà exposer ses pratiques. Okay. Donc ça, c'est un travail plus activiste. On devient un peu comme des lanceurs d'alerte pour exposer ceux qui ont des mauvaises pratiques. Et puis aussi, ensuite, à réfléchir. On s'est vraiment mis à réfléchir sur l'identité. Parce qu'on en parlera un peu plus après. Mais qu'est-ce que c'est que l'identité numérique et déjà aussi, comment expliquer aux gens ce que c'est. Et puis leur expliquer aussi que ça, bon, les gens trouvent que c'est chiant. Hein. En fait, c'est un peu rigolo, notre image a changé. Avant, on est passé de geek parano. On commence à dire maintenant, ils savent pas comment marche les GAFA, ils en ont peur et ils aiment pas le changement. En fait, on voit maintenant que c'est bien l'inverse. On connaît très bien les GAFA, on sait exactement ce qu'ils font, quelles sont leurs pratiques. Et on n'a pas peur du changement. Le changement, c'est nous. Le changement, c'est le chiffrement pour tous, c'est la décentralisation. La technologie évolue. Et c'est les GAFA qui vont avoir peur du changement. On en est assez convaincus. Pierrick. Voilà. Pierrick, toi, sur cette première expérience dans ta mémoire sur l'action de la vie privée. Ben moi, je crois que c'était au moment de la sortie de Gmail avec l'intégration de ces publicités sur la droite où je me suis effectivement aperçu qu'elle était personnalisée. Ce qui m'a amené du coup à quitter le service et puis à héberger ma propre boîte mail. C'est quelque chose qu'ils ont arrêté de faire récemment, le parsing des mails. Un peu plus tard, ça a été l'arrivée de ce projet un peu fou d'un réseau social décentralisé, Diaspora, qui était une alternative à Facebook. Où là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose de bizarre sur ces données collectées. Et puis peut-être la dernière expérience, elle est plus récente. J'ai travaillé au Sensible City Lab au MIT sur un projet génial avec une banque qui nous a donné en fait un an de transactions bancaires à l'échelle nationale. Et je me suis aperçu qu'en fait, ces métadonnées, qui sont juste des retraits ou des paiements sur des terminaux, révélaient quasiment tout des comportements des gens dans l'espace urbain.
des données anonymisées ou des données... Évidemment. Évidemment. On ne dira pas quelle banque. Ça, c'est un côté aussi assez impressionnant. Moi, on a été racheté par une multinationale qui s'appelle Amdocs et qui fait un peu ce back-end de paiement de tous les grands opérateurs téléphoniques au monde. Et on voit à quel point ils sont... en fait, ils sont assis sur une montagne de données qui ont une valeur incroyable. Et en interne, ils font des hackathons pour comment est-ce qu'on va pouvoir en tirer de la valeur. Donc c'est assez impressionnant quand on voit ça, on se pose des questions. Ça, je fais une parenthèse aussi pour tout le monde. Moi, en tant que designer indépendant, c'est aussi quand je rencontre des startups, des entreprises, etc., dont le modèle économique, c'est récupérer plein de data en disant on va en collecter plein, on ne sait pas à quoi ça va servir, mais on sait que ça vaut de l'argent, et un jour, on trouvera un mec intelligent pour faire de l'argent avec. C'est assez effrayant, mais ça existe beaucoup. Justement, concrètement, le privacy by design, ça c'est un schéma que moi j'aime beaucoup hein, sur quand je parle de design et on va dire de manipulation. Comment dans la vraie vie, à quoi ça ressemble? Je ne sais pas si vous avez déjà tapé privacy by design, ne serait-ce que dans un moteur de recherche d'images, etc. Tout de suite on tombe sur des schémas parfois très complexes de serveurs avec des choses qui sont vraiment à destination des architectes de l'information, de développeurs, etc. Pour nous, grand public, ou designers, ou entrepreneurs, ça ne parle pas toujours, et encore plus difficile de l'expliquer à nos amis, à nos familles, aux gens avec qui on bosse, etc., l'action de la vie privée dans le design. Donc je ne sais pas si vous avez concrètement, dans la vraie vie, qu'elle soit numérique, tangible, ou peu importe, est-ce que, Pierrick Valère, vous avez des exemples très concrets là-dessus? Ben moi, j'ai pensé à quelque chose qui n'est pas du tout dans le numérique, c'est le serment d'Hippocrate. Donc je l'ai noté là sur mon iPad. Quoi que je vois ou entende dans la société pendant ou même hors de l'exercice de ma profession, je tairai ce qui n'a jamais besoin d'être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas. Et en fait, pour moi, la privacy by design, ça serait une sorte de médecin comme ça à qui on pourrait confier des choses, pourrait prendre une décision, donner un diagnostic, prescrire des choses, et puis oublier instantanément ce qui a été dit. Et c'est en fait, c'est à la fois, c'est un serment, c'est une posture, c'est une vision qu'on doit proclamer sur un service. Et tu penses, alors le serment d'Hippocrate, c'est un super exemple. Tu penses qu'il y a des serments d'Hippocrate à inventer pour les entreprises, ou en disant tu feras tel métier, donc tu auras des données d'utilisateurs dans les mains, donc tu dois avoir un serment, ou est-ce que c'est libre à chacun? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, je pense que, on en parlera peut-être un peu après, est-ce qu'on doit faire du privacy by design ou non? Je pense que pas forcément, mais je pense effectivement qu'il y a une promesse à avoir, une confiance à établir avec une audience, et que peut-être oui, il va y avoir un serment qui va être écrit sur un site, sur une assurance, sur une banque, un opérateur télécom. Intéressant. Alors ça c'est une question vraiment très, très difficile, c'est quoi la privacy design dans la vraie vie? En fait ça fait partie des choses très difficiles dans le design pour représenter ça, et pas que le design du produit, le design de sa catégorie, le design de son marché, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on arrive beaucoup plus à expliquer en négatif. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est quand il n'y a pas la privacy by design? Qu'est-ce qui se passe? En fait c'est toutes ces choses-là qui nous... elles nous paraissent pas très importantes, mais en fait, le manque de privacy by design, ça va mettre des gens au mieux dans l'embarras, au pire dans des situations très difficiles. C'est par exemple même les pubs personnalisées qui s'affichent sur votre écran avec des gens autour de vous. Ça peut vous valoir un petit embarras, mais ça peut causer aussi des outings avec des conséquences vraiment compliquées. Il y a les gens qui ont été victimes d'agressions, qui ont leur harceleur, qui sont sur les réseaux, ils créent un autre profil pour être tranquille, et il y a l'algo, vous savez, l'algo qui dit « est-ce que vous connaissez un tel ?» En fait, cet algo-là, il dit à l'agresseur « tiens, est-ce que tu connais cette personne ?» Oui, il l'a agressé. Donc c'est ça en fait les complications, ce qui se passe quand il n'y a pas de privacy by design. C'est des posts qui passent public parce qu'il y a un développeur qui a mis un mauvais booléen. Et dans un système by design, ce ne serait pas possible. Cette chose-là serait chiffrée pour qu'elle ne puisse pas être visible. Donc en fait, c'est faire toute cette révolution-là de la technologie qui est possible maintenant pour que quelque chose soit vraiment private by design, pas par convention ou confiance à un système centralisé.
Et justement, quand on parle de private by design, donc c'est par essence, j'aime bien ce mot-là, par essence, un peu comme le serment d'Hippocrate, vous savez que votre médecin, par essence, il va respecter ce que vous allez lui dire, il va garder secret ce que vous allez lui dire, en théorie, normalement, si tout se passe bien. Et justement, cette notion de voilà, chiffrement, serment, etc., quand moi j'en parle aux entreprises, quand on en parle même avec des collègues, etc., on se dit, ok, en fait, on a l'impression que ça va complexifier beaucoup de choses. Alors qu'on tend, alors je montre le Google Home volontairement, on tend vers des produits très simples qu'on peut activer à la voix, qui sont très fluides. Pour parler d'expérience, du design, on est sur des choses presque sans barrières, sans frontières. Il n'y a plus de boutons, il n'y a rien, ça s'allume tout seul et ça, par défaut, en fait, c'est très fluide. Et pourtant, tout ça, on a l'impression que le privacy by design, ça va nous compliquer la vie, c'est compliqué, c'est galère, ça va nous coûter de l'argent, on va perdre des utilisateurs, on va devoir passer sur des modèles payants, etc. Comment on fait avec tout ça? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est pourquoi on le fait quand même? Pourquoi les entreprises y vont quand même en se disant on va le faire quand même, ça va être compliqué, ça va être difficile, mais on y va? Alors certes, j'imagine que vous allez me répondre des questions éthiques, mais si vous pouviez aller encore plus loin de pourquoi ça rend tout compliqué en apparence, après vous me direz peut-être que c'est simple, et la deuxième question, c'est pourquoi on le fait quand même? Je ne sais pas qui veut répondre en premier là-dessus. Justement, je voudrais réagir sur l'objet Google Home qui est pour moi vraiment l'incarnation de 60 ans de fantasme de la domotique, l'automatisation. C'est un peu l'objet qu'on aurait pu trouver dans la cuisine de mon oncle de Jacques Tati. Et ça fait à la fois écho à des désirs profonds d'omniscience, d'omnipotence, de capitalisme, d'achat, de rapidité. Et c'est dommage en fait parce que cet objet, on aurait pu le faire privacy by design, et c'est ce qu'essaye de faire, je crois, la startup Snips, en ayant un modèle qui tourne de manière locale sur l'objet et qui ne va pas aller envoyer des requêtes sur des serveurs distants. Je n'ai pas répondu à la question du coup. Mais c'est vraiment un des mensonges et des impostures, je trouve, de ces systèmes-là. C'est de nous faire croire qu'on est obligé d'enregistrer tout et d'envoyer tout sur le cloud pour que ça marche bien. C'est faux techniquement, c'est pas justifié. Par contre, c'est très en ligne avec le business model de ces sociétés-là. Donc on a l'impression qu'il y a une espèce de biais lié à leur modèle économique qui influe même le développement des technologies. C'est pour ça que j'appelle ça un système toxique, parce qu'on va nous faire des produits géniaux, qu'on va aimer, mais pour les monétiser, il va falloir construire de plus en plus de technologies de surveillance et des façons d'optimiser les revenus. Et à ce moment-là, ça se retourne contre nous. Donc on a ce système qui nous fait des choses qu'on aime, parfois même addictives, et qui, par construction, systémiquement, va venir contre nos intérêts. Donc il faut vraiment réussir à casser la boucle. Et heureusement qu'il y a ces startups qui arrivent avec, qui marchent aussi bien. Et je me fais l'avocat du diable. Si ça marche très bien, ça rapporte plein d'argent, c'est fluide, toutes les datas sont en ligne, pourquoi il y a des gens qui font l'inverse? Pourquoi il y a des gens qui disent non, nous on va essayer de respecter la vie privée de nos utilisateurs? Pour vous, si demain Google vous dit voilà, allez-y, venez bosser pour nous, vous direz non, moi je veux travailler pour des projets privacy compliant. Pourquoi il y a des entreprises qui se mettent ça en tête? Est-ce que c'est juste pour leur image de marque? Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure entre nous du greenwashing, toute la vague environnementale parfois faussement mise en place par les entreprises. On pourrait parler presque aujourd'hui du privacy washing, où tout à coup toutes les entreprises affichent « Bonjour, on est privacy compliant, on respecte la vie privée de nos utilisateurs, etc. » Alors peut-être qu'ils vont vendre plus de lessives ou de logiciels, mais est-ce qu'en dehors de ce privacy washing, qu'est-ce qui aujourd'hui fait qu'il y a des entrepreneurs, des individus qui se mettent à dire « Ok, c'est un vrai sujet, mon sujet il n'est plus technologique, il n'est plus sur le design, mais il est sur le respect de la vie privée des gens. » C'est une question peut-être un peu difficile, mais je ne sais pas si... Je vais essayer de répondre. Je pense qu'il y a différents angles. Il y a le point de vue de la monétisation d'un produit, il y a le point de vue design, la relation avec l'utilisateur. Si je prends l'exemple du moteur de recherche, puisque c'est mon secteur d'activité, jusqu'à je crois 2008 ou 2009, Google ne traquait pas ses utilisateurs. Il y avait une publicité qui était basée sur la requête. Et à un moment donné, ils ont décidé de rentrer dans un mécanisme de construction de profil, de personnalisation de l'expérience, etc. Évidemment, les résultats sont plus performants. Et aujourd'hui, le tracking, à quoi est-ce que ça peut servir en tant que designer?
Je me dis que ça peut servir à rejouer des sessions, des parcours d'utilisateurs pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont décroché un moment ou un autre. Je me dis que ça peut aussi permettre de personnaliser l'expérience. Donc effectivement, avec cette idée que finalement, Google est plus pertinent que Quant parce que j'ai tout de suite les résultats qui m'intéressent. En fait, les études montrent qu'il n'y a que 10 à 15% des résultats sur ces moteurs-là qui sont vraiment personnalisés. Et puis un troisième point, c'est évidemment pour la monétisation, comment est-ce qu'on cible un utilisateur pour lui vendre de la publicité. Et la promesse de Quant, c'est de faire l'inverse de tout ça. On ne sait pas quel parcours vous faites, on ne sait pas ce que vous cherchez, on ne sait pas si vous revenez ou pas, finalement on ne sait pas sur quelle publicité vous cliquez. Donc je dirais que c'est un parti pris, c'est quelque chose qui est dans notre ADN de dire on va respecter l'utilisateur, on va pas s'intéresser à ses données personnelles et on va essayer de construire un produit qui sera basé sur une absence totale de tracking. Du coup, je me demandais, mais finalement, jusqu'à il y a peut-être 5 ou 10 ans, un designer, il n'avait pas besoin d'aller traquer exactement tout ce que faisait leur utilisateur au quotidien. Il allait sur le terrain, il observait, il faisait un peu d'ethnographie, et puis il avait de l'intuition, il testait des choses, il faisait des prototypes, il faisait des tests, et ça permettait de faire un bon produit. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tant que designer, si on n'a pas instrumenté toute sa plateforme de sondes, d'outils pour vraiment traquer, on n'est plus capable de faire un bon produit. Et je trouve ça un peu surprenant. Et donc à Quant, on a essayé de refaire le moteur un peu à l'ancienne. Alors c'est sûr, c'est plus compliqué, parce que déjà on s'adresse à une population qui est très large, et puis on ne sait pas si on va se gourer ou non sur la navigation, donc on a fait des protos, on a fait des tests avec des vrais gens qu'on a invités, et puis on va voir ce qui va se passer. Quoi. À l'ancienne, mais ça marche très bien aussi. Je sais pas si tu as... Alors moi je peux peut-être... comment est-ce qu'on s'est construit, pourquoi est-ce qu'on s'est construit comme ça? Alors en fait on s'est pas vraiment pensé comme une alternative. Je peux peut-être vous raconter un peu plus d'historique sur la création de Facette. On avait un premier produit qui était un messenger, donc un peu comme WhatsApp, mais qui permettait de gérer l'identité complètement différemment. Je pouvais créer une multitude d'identités, c'était déjà des facettes, à la volée, un peu comme des numéros de téléphone virtuels, ce qui me permettait de donner des numéros différents que je pouvais jeter, brûler, pour une petite annonce. C'était vraiment l'idée de numériser la première rencontre. Quand on se rencontre, je vous serre la main, je ne vous donne pas mon CV, ma carte d'identité, une boîte avec mes photos de vacances et une clé de ma maison pour venir voir les nouvelles photos. Quoi. C'est assez dingue. Et en fait, ça, c'est un peu parti dans tous les sens, donc un peu la drague, les enfants, le milieu pro, des événements. Et là, on a détecté un usage, en fait. On a vu des gens qui ont commencé à se créer des profils sous pseudonyme. Parce qu'on a remis en cause tous les patterns qu'on dit tout le temps, il faut un numéro de téléphone, il faut un mail, on n'a pas besoin, ça, on a acheté tout ça. On chiffre, on prend des identités créées, voilà, c'est vraiment des identités légères. Et ces gens-là ont commencé à créer des groupes pour parler de sujets qu'on ne savait pas. Et du coup, c'est des gens qui avaient besoin de parler ensemble, de trouver du support et qui ne se connaissaient pas et qui ne voulaient pas révéler leur identité. Et on a décidé de concentrer nos efforts sur eux. Donc on a fait un premier MVP donc pour les communautés. Et là, les premières communautés qui sont arrivées spontanément, ça a été des problèmes de santé. Donc c'est des communautés de mental illness, donc c'est des désordres mentaux, enfin c'est le nom utilisé par les communautés américaines. Donc des problématiques de santé, des centres de prévention, donc des centres LGBT sur la problématique de la découverte de l'identité sexuelle. Ça a été des syndicats, partis politiques. Bon, il y a aussi des groupes, des fans de Pokémon. Donc, ouais. Donc en fait, nous, on s'est vraiment construit comme ça. Il y a un besoin de gens qui ne trouvent plus d'espace sur confidentiel où ils peuvent partager, trouver du support, s'amuser. Donc c'était vraiment de... Nous, on n'a pas été... En fait, on a découvert l'usage, on a un besoin et on vient l'adresser. Et puis après, ça grossit parce que, en fait, on comprend que les problématiques que posent ces machines-là, en fait, elles vont faire chier d'abord les minorités ou les gens qui sont au risque de discrimination. Quand les données de santé, quand Google va commencer à décider du prix de votre assurance santé, ça va remettre en cause profondément notre modèle associatif, participatif sur la, je perds mes mots, mais sur la définition de notre société. Et ensuite, on a d'autres gens qui disent, moi je m'en fous, c'est vrai, il y a plein de gens qui n'ont rien à faire, mais je comprends que c'est important pour d'autres. Donc cet outil-là va être mieux. Et donc c'est comme ça que ça se construit un peu.
Et ça, c'est intéressant parce que justement, pour l'instant, il y a toujours aussi des gens qui disent « moi, je m'en fous, ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon projet », d'autres qui en ont vraiment besoin, puis d'autres qui disent « ok, peut-être je vais essayer ». Ça va me permettre aussi de, par défaut, en fait, ça pourrait être intéressant d'utiliser ce genre d'outils, d'utiliser des Firefox Focus, des Signal, des Proton Mail, plein d'outils comme ça qui sont, au final, par défaut, font aussi bien le boulot que d'autres outils qui traquent la vie privée, mais qui sont, pour moi, quasiment équivalents, en fait, en termes de fonctionnalité, en termes de design, en termes de rapidité d'exécution du logiciel, etc. Et c'était une question pour moi, est-ce que demain, ou même aujourd'hui, pour vous deux, est-ce que ça devient, la question de privacy by design, c'est déjà un argument commercial? Est-ce que ça va devenir un argument commercial? Il y a plein de boîtes aujourd'hui, peut-être qui commencent à se dire, on a dit qu'on ne parlait pas du RGPD, désolé, mais qui se disent, oui, oui, il faut qu'on soit compatible RGPD, donc comment on va s'aligner? Et après, comment on va montrer à nos utilisateurs qu'on respecte leur vie privée? Comme ça, on aura cette idée d'engagement plus grand vers des nouvelles communautés, vers de nouveaux utilisateurs, on va peut-être toucher de nouveaux publics, ou le public peut-être qu'il est plus concerné par ces sujets, donc il faut répondre aussi à ce public. Donc voilà, j'aurais aimé savoir là, votre avis, si c'est déjà un argument très fort dans les attentes du public, dans le commercial par les entreprises. Oui, je pense que c'est un argument qui est très fort. Quant s'est construit autour d'une communauté de gens qui défendaient le respect de la vie privée et qui étaient là à la première heure. Mais c'est un argument qui a du mal à toucher, je pense, le grand public. Parce qu'en fait, la vie privée ou l'absence de tracking, elle est invisible pour eux. Quelqu'un qui va sur Quant, on va lire, voilà, il n'y a pas de cookies, on ne garde pas de log de vos recherches, vos adresses IP, elles sont chiffrées, etc. Déjà, il y a un problème de culture, de pédagogie, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens, ils ne savent pas ce que c'est qu'un cookie, une adresse IP, etc. Avec la métaphore du cloud, on a habitué les gens en fait, à avoir une collecte systématique et invisible des données. Donc ils ont l'impression que c'est normal, c'est comme ça que fonctionne aujourd'hui une application ou un service. Et puis, il y a cette question de comment est-ce que je peux vous croire? Alors, on peut ouvrir les outils de développeurs, on peut aller regarder les cookies, le code source, on peut publier des choses sur GitHub ou ailleurs, mais on va toujours demander, mais est-ce que c'est vraiment ça qui tourne sur vos serveurs? Est-ce que c'est vraiment vrai? Et donc là, je pense qu'il y a cet argument-là, il a des limites, et du coup, l'alternative, c'est de faire de la pédagogie et d'instaurer un rapport de confiance. Et pour ça, je pense qu'il faut une nouvelle métaphore, un nouveau langage visuel, des nouveaux outils. Et alors justement, c'est un vrai sujet sur comment on montre l'absence dans le design, comment on montre un truc qu'on n'a pas. Ça, je peux revenir là-dessus rapidement, j'avais mis cette image-là, ça c'est Juro. Ils présentent leur privacy policy sur leur site. Il y a des icônes, il y a de la typo, c'est très lisible, c'est plutôt bien fait. Et après, ça c'était une autre image que je trouvais intéressante, c'est de est-ce que forcément des outils qui respectent la vie privée, est-ce qu'ils sont forcément diminués? Est-ce qu'ils sont forcément moins de trucs, forcément? Ou au contraire, comment on peut faire demain des outils qui, comme tu le disais très justement, de dire, qui vont adresser à des nouveaux paradigmes, à des nouvelles communautés, qui vont adresser des nouveaux sujets et qui répondent à des besoins concrets, mais avec des produits qui ont moins de fonctionnalités, qui ont moins de tracking, qui ont peut-être moins de choses. Comment dans cet équilibre-là, on montre qu'on fait moins, mais peut-être qu'on fait mieux aussi? Alors c'est vraiment ce que disait Pierrick, c'est que c'est quelque chose qui peut être, qui paraît invisible, le fait que vos messages soient chiffrés, par exemple. Je ne le vois pas à l'écran, le fait quand vous vous connectez, alors c'est là, c'est vraiment cette difficulté, comment transmettre dans le design, dans l'expérience, la confiance, parce que tout est un peu remis en cause maintenant. L'open source, on voit que maintenant, c'est plus, ça a bougé, toutes ces données qui tournent dans le cloud, on ne sait pas ce qui tourne, même si c'est open source, c'est peut-être pas ça. Hoster chez moi, devient de plus en plus compliqué. Donc la confiance, elle va se définir autrement. Et c'est un des gros enjeux maintenant, hein, c'est un des gros challenges. Je pense que personne n'a vraiment la solution. Pour l'instant, la confiance, ça marche un peu à je les trouve sympas et c'est des mecs bien, quoi. Oui, ou aussi par le lien social. Ce qui se passe avec Quant, quand on commence à utiliser Quant, les supporters de Quant, je sais pas, si jamais Quant a un petit problème de serveur, il y a tous les mecs sur Twitter, allez, courage les gars. Ouais. Donc c'est vraiment quand on trouve cette communauté-là qui partage, c'est comme ça que la confiance, on arrive à se la créer. Mais ça reste un des grands enjeux, ouais, implémenter donc, la confiance. Il faudrait pouvoir donc designer cette confiance, en quelque sorte, la montrer par le lien social, montrer que c'est une communauté, que c'est aussi, si d'autres l'utilisent, ouais, moi aussi je peux l'utiliser,
Et peut-être que justement, il faut designer des nouveaux liens sociaux, mais qui sont basés sur cette confiance-là. Il faut communiquer son business model. Aussi. C'est quoi votre business model? Comment vous faites de l'argent? Comment on fait de l'argent? Et si l'argent, si le service il est payant, on comprend, nos intérêts s'alignent. Mais si le service n'est pas payant, potentiellement. Alors je ne dis pas que tout ce qui est free, parce qu'il y a du free qui amène vers des abonnements, ce qui est comme un. On achète, enfin c'est du marketing, enfin c'est une entrée de gamme pour faire venir. Mais ça fait partie de l'évangélisation, de la culture, d'expliquer les business models, de chercher les business models. Ça, il y a des enjeux énormes. Je dis pour les gens qui sont dans la salle là-dessus, des solutions passionnantes à trouver. Il nous reste quelques minutes avant de prendre les questions. On a le temps, tout va bien, c'est ça, ok. Moi, je voulais vous partager, vous connaissez sûrement le Ethical Design Manifesto qui est diffusé beaucoup, etc., de Harald Balkan, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui justement vient essayer de montrer un petit peu, on le voit ici un petit peu, le fait de dire, il y a, dans le design, on a les droits de l'homme, l'effort humain, pour que ce soit fonctionnel, etc. Et ensuite, on a ici l'expérience humaine qu'on fait avec qu'on interagit avec ce produit. Je vous invite à aller lire, il y a tout un site qui est dédié à ça. Donc pour moi, la question du privacy by design, on n'en a pas parlé encore sur les questions éthiques. Il y a énormément de questions éthiques qui se posent derrière. C'est des choses avec lesquelles on jongle depuis que les ordinateurs, enfin depuis très longtemps, mais notamment nous dans nos métiers du numérique, depuis que les ordinateurs aussi sont dans nos mains, les questions éthiques, elles sont primordiales. Et aussi arriver à vous documenter, faire des choix moraux, éthiques dans votre travail. Pour vous, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez à côté? Est-ce que c'est des choses qui sont intégrées dans vos entreprises? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez prévu de mettre en place ça pour peut-être montrer ces questionnements éthiques interne à l'entreprise, mais le montrer au public qui utilise Quant, qui utilise Facet. Quel est le lien entre l'éthique, votre travail en tant qu'être humain, et l'entreprise et le public, quoi? À Quant, elle est au cœur de la réflexion des produits, puisque Guillaume Champeau est directeur éthique. Donc il intervient au même titre que la sécurité, le design ou la technique sur la conception des produits. L'avantage pour Quant, c'est que comme on se refuse à collecter de la donnée, on est moins confronté à ces questions éthiques. Néanmoins, se pose la question des phases un peu plus à droite, donc l'effort humain et l'expérience humaine. Si on parle d'un point de vue business, effectivement, est-ce qu'une publicité non traçante est aussi rentable qu'une publicité traçante? Aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas le cas. Les CTR sont pas au même tarif. Du coup, ça nous a amené à créer notre propre régie publicitaire qui sortira, je pense, dans les prochains mois, et à repenser en fait le modèle publicitaire. C'est-à-dire que ces publicités vont dépendre du contexte de la recherche de l'utilisateur. Donc, on a créé un système qui va aller chercher des concepts proches ou plus ou moins éloignés autour d'une recherche pour aller ensuite présenter une publicité. Sachant que si je fais une autre recherche, j'ai oublié ce que j'ai cherché avant. Un autre exemple, tu parlais de friction et de finalement, est-ce que ce service, est-ce qu'ils ne sont pas dégradés? Et on nous fait souvent la réflexion sur la personnalisation des résultats, la personnalisation des news. C'est naturel, les gens, ils habitent dans un pays, dans une région, ils veulent voir des choses liées à leur intérêt. Et donc là aussi, on a dû se poser la question et se dire, mais comment est-ce qu'on arrive à faire ça en respectant ces valeurs éthiques et techniques? Et on a décidé d'essayer d'inverser le modèle, donc c'est vraiment extrêmement risqué, mais de dire, cette donnée personnelle, elle sera collectée côté client, côté mobile, côté ordi, elle sera chiffrée, et il y aura des échanges entre le moteur et la personne. Mais ça demande effectivement un effort supplémentaire déjà de compréhension, il faut développer un modèle conceptuel, il faut l'installer, il faut l'accepter, et puis il faut accepter qu'il y ait des petits glitches. Il faut accepter le risque que ça ne marche pas parfois. Exactement. Ouais. Et là-dessus, sur l'éthique sur Facets, j'imagine que vous êtes... L'éthique sur nous, c'est vraiment une question qu'on ne se pose plus. On voit très bien quand un truc n'est pas éthique, quand un truc est moyen. Vous le savez aussi, hein, quand vous faites des trucs un peu limite. Là, c'est de dire aux développeurs, maintenant, vous êtes responsable aussi. Hein. Le développeur qui a fait l'algorithme pour tromper les trucs des BMW, là, le truc diesel, il a été condamné. Hein. C'est pas son chef. Donc vous aussi, en tant que designer, en tant que développeur designer, prenez vos responsabilités.
Donc nous, on est voilà, l'éthique, on voit tout de suite que, enfin, on sait qu'on veut, ça nous, enfin, on fait pas de trucs non éthiques. On essaye de se retenir, de pas balancer les autres, quoi. Plus en plus dur, quoi, de pas se radicaliser. Sachant qu'il y aura toujours des dilemmes qui viennent de la technologie. Je pense à tous les algorithmes qui sont mises sur les voitures autonomes en disant est-ce que j'écrase 3 personnes ou 2 personnes, est-ce que c'est des enfants, est-ce que c'est des vieillards. Et là, tout à coup, ben, là, c'est des questions aussi qui sont hyper intéressantes à aborder. Et tout à coup, on se retrouve derrière son clavier en train de coder ça. On se dit, OK, qu'est-ce que je fais ? Donc, je pense qu'il y a besoin aussi de... Il y a des comités éthiques dans les entreprises, parfois, sur certains projets. Il y a besoin, justement, de mettre ces questions-là sur la table et que ce soit des décisions collectives. Et des fois, des décisions qui ne doivent pas être réservées à une seule personne ou à un algorithme qui va décider à la place des utilisateurs. C'est vraiment très très juste. La solution ne peut pas être que technologique. Il y a le régulateur qui se met en place, on voit les gouvernements, mais c'est surtout nous, en fait. Hein, ça va être à nous de décider de nos outils. Hein. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on montre ce que font, ce que ces algorithmes avec des biais peuvent faire comme catastrophe, sans que personne ne sache trop ce qu'ils font. Et donc, vu qu'il nous reste 4 secondes, je ne sais pas. Moi, j'avais juste pour un petit mot de la fin, avant de prendre vos questions, à savoir si vous aviez un conseil, un premier pas à faire pour les entrepreneurs, pour les jeunes générations, pour qui vous voulez, sur la question de comment on attaque cette question de privacy by design. C'est quoi la première étape ? Ou c'est quoi un super outil que vous connaissez, ou l'angle que vous avez pris et qui marcherait à transmettre voilà, pour la salle. Pour le designer, je pense qu'il faut vraiment considérer à la fois l'information, enfin la donnée ou l'algorithme, comme un matériau pour le design et pour la conception. C'est-à-dire au même titre que y a une forme, des interactions, des fonctionnalités, il faut réfléchir à cette donnée et voir comment est-ce qu'elle va être traitée, comment est-ce qu'elle va être monétisée, contrôlée, observée. Super. Ouais, alors, c'est dur. Hein, ouais, c'est un seul conseil. Non, c'est vraiment de... En fait, ce qu'on appelle protection de la vie privée et de l'intimité, pour vous, en tant qu'entrepreneur, pour votre boîte, ça va être protection de votre propriété intellectuelle et de votre business. Si vous mettez toutes vos stats, c'est des trucs qui partent. Si vous mettez les données de l'utilisateur avec 20 tiers qui peuvent y accéder, ce que vous allez perdre, ce que vous risquez de perdre, c'est votre réputation. Et ça va être dur de regagner ça. C'est un des risques principaux. Donc, c'est toujours se poser cette question-là. Il y a des solutions pour... faire la même chose et qui sont plus, parce que finalement c'est un risque pour votre société de faire ces mauvaises pratiques et on en voit qui ferment, on en voit qui se font aligner, allumer, voilà. Et parfois se poser la question de si moi j'étais utilisateur de mon propre produit, est-ce que j'apprécierais ce que je suis en train de faire. Ça on le voit bien, parce que quand vous commencez à avoir des plateformes de communication ou des plateformes de recherche, et si un de vos développeurs peut aller chercher les recherches de telle personne parce qu'il ne l'aime pas, là on commence à se dire merde, et c'est ce qui se passe avec les développeurs, des Google et machin qui ont accès à tout ce que vous avez dit à votre machine. Valère, Pierrick, merci beaucoup. Ouais. Et puis on va prendre les questions. Merci à vous pour vos réponses. Alors c'est vrai qu'on a des product managers dans la salle, forcément on a des questions de PM. Hein. Comment itérer sur son produit quand on se prive volontairement de tout tracking, conseiller l'éthique et la performance. Vous avez 2 heures. C'est une très bonne question. La question, je pense, c'est sur la frontière entre la donnée personnelle, acceptable ou inacceptable. C'était une des questions qu'avait posé aussi Geoffrey. Est-ce qu'on a besoin de traquer de manière individuelle une personne sur un parcours, ou est-ce qu'on peut se contenter de métriques assez globales ou d'agrégation de comportements? Je ne pense pas qu'il faille s'interdire de regarder l'audience, de savoir si des parcours fonctionnent, si des composants sont cliqués ou non. Mais on n'a peut-être pas besoin de voir l'écran et la souris de l'utilisateur, comme c'est le cas souvent avec des services comme Fullstory. Il faut trouver la balance, en fait. C'est compliqué. Après, le business de la donnée, il n'est pas interdit, il n'est pas terminé, en fait. Il est juste encadré, réglementé un peu plus. Il y a des barrières, il y a des attentes du public, et puis c'est à chacun de prendre ses décisions. Oui, alors moi,
En fait, il y a plusieurs choses. Il y a vous tracer, essayer de mesurer ce qui se passe dans Trapi. Il y a mesurer et donner ces données-là à d'autres outils qui les font sortir. Et moi, je remets vraiment tout ça en question. Est-ce que vous avez bien besoin de mesurer? Est-ce qu'on n'a pas plutôt besoin, dans ces premiers utilisateurs, de créer une communauté, de commencer à parler avec eux, faire des échanges? Ce serait tout aussi efficace, hein, de penser ça comme ça. Mes utilisateurs, peut-être au lieu d'instrumentaliser, de mettre des sondes, je mets un petit truc qui sort. Ah tiens, on a changé ça, est-ce que tu en parlais? On en parle, viens, on a un outil. Voilà, il y a d'autres façons de travailler ça. Et ça dépend à quel moment vous êtes de la maturité de votre produit, mais enfin, nous, on est encore assez jeunes, ça marche comme ça. Hein. On demande aux gens, on parle. Hein. Ça marche bien. Comment concilier la nécessité d'énormes volumes de données pour entraîner les algos de machine learning avec le privacy by design? Je vais la refaire. Ouais. Comment concilier la nécessité de traiter d'énormes volumes de données pour le côté algo ML et faire concilier ça avec le privacy by design? Question suivante. Il y a des façons de vraiment d'avoir des sets de data qui permettent d'avoir des informations pertinentes sans pour autant avoir identifié exactement les personnes. Alors on voit qu'on commence à nous vendre, ah mais on va pseudonymiser. Et quand on dit, bon, ça va être simple, on va même laisser les données partout, on va pseudonymiser, on va pouvoir les traiter, c'est génial. Et en fait, quand on demande aux gens, même anonymiser, on leur demande à quel point vous avez confiance dans le fait qu'on ne peut pas désanonymiser. Et là, tous les mecs, non, c'est compliqué, on peut désanonymiser. Donc il faut vraiment voir ce risque-là. Alors on est toujours en train d'être ceux qui mettent le risque, mais il y a des solutions techniques, et ce qui m'embête moi, c'est que les sociétés qui font ça, clairement, elles ont intérêt à avoir ces données. Donc je veux bien qu'elles fassent ça, mais elles vont pas le faire autrement parce qu'elles veulent pas. Et je rebondis juste une seconde là-dessus, tout dépend aussi de quelles vont être les données récupérées. C'est juste la nature même des données à l'origine, et c'est là où ça renvoie à des questions éthiques. Quand je vais sur data.gouv.fr, je récupère les datas du gouvernement, c'est des données publiques, je peux les traiter, etc. Après, si je vais scraper LinkedIn pour choper des mails, voilà, tout à coup, c'est un peu plus crade, quoi. Et c'est vraiment le problème de ce machine learning qui est assez... qui a besoin de toutes ces données, qui est finalement une intelligence artificielle très bête, hein. Et on en parlait un peu tout à l'heure, qui arrive avec des biais terribles. Ces algorithmes-là qui vont pas réussir à identifier des noirs, des asiatiques. En fait, on est en train de remettre ces biais-là, des femmes dans LinkedIn qui vont voir des postes moins bien payés, parce que par machine learning, l'algorithme dit « oui, elles sont payées moins, les femmes, c'est pas la peine de lui montrer ça ». Donc c'est ça, on est face à cela, à cette chose-là. En fait, on est en train de... Ça s'appelle le math washing. On pense que parce que c'est fait par un algorithme, c'est neutre. Et non, c'est absolument pas neutre. Donc il y a besoin de... la techno ne va pas tout répondre à tout. Ces algorithmes-là qu'on nous vend magiques, c'est les débuts de l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle bête qui a des biais. Rapidement, je pense qu'il y a deux manières de répondre à la question. La première, c'est de changer la manière dont les algorithmes sont faits. La deuxième, c'est de changer la manière dont les données sont collectées. Et je pense qu'on peut mettre en place un système de dons de données avec des communautés qui acceptent de partager leurs données afin d'améliorer des algorithmes et des applications dédiées. Et je pense qu'il y a quelque chose à construire autour de ça. C'est juste pour donner un exemple qui parle plus sur les algos qui existent, il y a ce qu'on appelle la differential privacy. C'est-à-dire qu'en fait, prenons quelque chose qui doit prendre une donnée de santé, comme est-ce que vous avez le diabète ou pas. Donc, donc c'est oui ou non. Et ben, si on a quelque part dans une table cette personne-là a le diabète, même si on enlève le nom, on a sa date de naissance et sa ville, on retrouve qui c'est. Et ben, le principe de cette differential privacy, c'est que avant de répondre, je vais lancer une pièce à pile ou face. Si c'est pile, je dis la vérité. Si c'est face, je relance. Et pile, je dis vrai. Et face, je dis faux. Ce qui fait que là, on ne sait pas si j'ai dit la vérité ou si j'ai menti. Impossible, même si on met mon nom, on ne peut pas savoir si la donnée est vraie. Par contre, statistiquement, quand je récupère la donnée de tout le monde, ce bruit, on peut le soustraire. On sait qu'il y a 50%, c'est la vérité, donc on veut déjà faire ça. Et ensuite, sur ce qui reste, c'est distribué de façon... Donc, ces technologies-là existent, c'est possible. Encourageons ceux qui les mettent en place.
Justement, il y a beaucoup de questions sur, quand on parle d'éthique, des gens qui vont parler de bonne volonté, des serments. Un, comment on rend ça actionnable, comment on rend ça différenciant et comment on rend ça contraignant. Pareil, vous avez 2 heures. Ouais. Qu'est-ce qu'on rend différenciant? Le début, juste le début, c'est les serments, c'est ça? C'est le, voilà, on va aller parler des serments d'Hippocrate. Il y a un serment qui existe, puisqu'on a mis effectivement un lien vers un serment effectivement, d'Hippocrate au niveau de la data. On peut dire, bah, finalement, voilà, c'est bien. Au-delà des bonnes volontés, comment on rend ça actionnable, contraignant et différenciant? Je pense qu'on a donné quelques pistes là, pendant la discussion. Il y a cette idée de bah, déjà afficher clairement ses engagements, de clarifier le business model, comment est-ce que je fais de l'argent, publier peut-être le code source sur, de manière ouverte pour qu'il soit inspecté par la communauté. Et puis, c'est construire la confiance, donc c'est de la pédagogie, c'est de l'explication, c'est mettre en place de nouvelles métaphores, un langage visuel qui serait un peu plus travaillé, peut-être que ces formulaires avec les checkbox en disant oui, non, peut-être, je ne sais pas. Et je pense qu'il y a peut-être un truc à faire au niveau des navigateurs. On voit de plus en plus d'outils qui arrivent, qui donnent un peu un score de privacy, qui permettent d'inspecter la page, etc. Je pense qu'une fonction à terme dans les navigateurs, c'est peut-être d'automatiser certaines phases d'audit, de consentement, en disant, bah voilà, moi je veux visiter des sites qui font ça, qui utilisent ça comme ça, et puis finalement ça devient plus transparent. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va devoir construire de manière itérative à fur et à mesure que les gens s'intéressent à ces questions ou non. Le côté vraiment contraignant aussi, en disant, finalement aujourd'hui, les médecins jugent leur père lorsque certains médecins disjonctent. Qu'en est-il pour les produits et les entreprises qui les font? Alors, en fait, je pense que vraiment ce qu'il faut, comme on a dit, c'est de réaligner l'intérêt d'utilisateur à l'intérêt de la société, donc via le modèle, enfin, créer un système sustainable, voilà, je parle comme Van Damme, mais ça vient aussi de nous, c'est-à-dire que moi, quand je mets mon bloqueur de publicité que je vais sur un site, j'affame le producteur de contenu, donc ça, typiquement, c'est pas sustainable, c'est pas possible, il faut réussir à trouver des façons où tout le monde peut se rémunérer. C'est pas forcément que tout devienne payant. On a des pistes maintenant avec les outils de décentralisation, je vais pouvoir partager de la ressource. On a certains sites maintenant qu'on peut laisser miner notre processeur pour qu'il fasse de la crypto-monnaie. C'est intéressant, ces systèmes. Je ne vais pas donner de l'argent, mais je vais donner un peu de mon processeur, je vais donner un peu d'énergie. Ces solutions arrivent, hein, cette révolution-là est en train de se produire. Donc on ne sait pas trop qui va gagner, comment ça se fera, mais c'est en train d'arriver, il y a des solutions. Hein. Et pour ce qui est en fait, personne va être, on disait, quelqu'un qui pète un plomb, c'est ça? On n'est jamais à l'abri, hein, d'un hacker, de quelqu'un qui vient et qui compromette tout notre système. Ça arrive et ça arrivera à toutes les grosses boîtes. Hein. Donc c'est pour ça que la régulation est importante, parce que maintenant, quand vous avez des données perso, c'est un lac d'acide que vous avez dans votre boîte. C'est chiant, c'est dur à bouger et ça peut vous péter au nez. Donc c'est pour ça que ça pose de moins à les prendre. Parce que personne n'est parfait, tout le monde se fera attaquer, peut avoir des fuites de données. Donc moins on en a, mieux c'est. Donc c'est la minimisation des datas, c'est important, l'éphéméralité. Alors, toute dernière question, puisque les gens ont certainement faim et tout ça, on dort de faim de connaissances. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de publicité quand on parle de privacy. Est-ce qu'il est possible, finalement, de vivre de la publicité en étant dans la privacy by design? Tu parlais de la régie publicitaire de Quant. Sur un moteur de recherche comme Quant, oui, parce qu'on est dans un cas où les gens, en fait, ont nous donné leur intention. Ils tapent une recherche, ils cherchent un iPhone, ils cherchent un voyage, etc. Donc là, on peut renverser le modèle. Sur d'autres applications, je pense que oui, si on se dit que le profil de l'utilisateur, il est vraiment stocké côté client et il est chiffré. Je sais qu'il y a des entreprises qui travaillent sur ce modèle-là en se disant plutôt que de partager un profil global sur un Facebook ou sur d'autres systèmes de tracker, il reste côté client et l'utilisateur va avoir le moyen, au fur et à mesure, soit de le purger complètement, soit de donner des détails précis à un moment donné, soit de cacher certains pans. Et c'est un peu le modèle rêvé, hein, du VRM où dis-moi ce dont j'ai besoin et puis je te proposerai l'annonce. Et on voit que dans certains domaines, ça commence à percer. Mais il faut renverser le modèle.
Et après, je pense qu'il y a surtout plein de, d'autres modèles économiques à trouver en dehors de la publicité. Il y a des comédiens qui font des spectacles en ligne et les gens payent en ligne s'ils apprécient le spectacle. Je pense à Haroun, je crois que c'est ça. Il y a des outils payants, il y a des services payants, il y a des services qui sont gratuits mais dont le modèle économique est ailleurs. Enfin, il y a, là-dessus, il y a un champ à explorer gigantesque, autre juste que le revenu publicitaire à l'ancienne, j'ai envie de dire. Oui, et puis la publicité, si on regarde le revenu des data brokers, ces sociétés qui prennent nos données, c'est une grosse part, hein, je crois que j'ai vu des chiffres, c'est encore 30-40% des revenus, mais derrière, c'est des data products qui vendent à des sociétés d'assurance, à des banques, qui vont pouvoir répondre en 4 secondes si vous pouvez avoir votre crédit ou pas, ça va dépendre où vous habitez, on ne pourra rien dire. Donc c'est ça derrière, en fait, c'est que on nous dit qu'on a besoin de ça pour faire de la pub, mais en fait, ça sert à beaucoup plus de choses. Donc la pub devrait être beaucoup, beaucoup moins intrusive. Moi, je crois que c'est Tristan Nito qui est chez vous qui dit qu'en fait, on a rendu économiquement viable l'économie de la surveillance. Et c'est là-dessus aussi qu'il faut se réveiller. Ça va changer de toute façon. Hein. Il vaut mieux se préparer. Hein. On y travaille. Merci beaucoup. Merci.